les royaux ont été frappés par une campagne visant à supprimer le consentement royal alors qu'un groupe anti-monarchie demande des signatures. La pétition, répertoriée sur Action Storm, a été lancée par un groupe de pression composé de membres faisant campagne pour l'abolition de la monarchie et son remplacement par un chef d'État directement élu. Intitulée « Scrap the Royal Power to Change Our Laws », la pétition a jusqu'à présent reçu plus de 5000 signatures. Il se lit comme suit, le prince Charles et la reine ont le pouvoir d'insister pour que de nouvelles lois soient adaptées à leurs besoins privés. Cela doit cesser, de nouveaux rapports dans The Guardian du 28 juin montrent que le prince Charles a fait pression sur le gouvernement-major en 1993 pour qu'il modifie la nouvelle législation sur les baux, empêchant effectivement ses locataires d'acheter leur maison, leur refusant les mêmes droits que tout le monde dans le pays. Les lettres publiées révèlent que c'est l'une des quatre occasions au moins où la famille Windsor a utilisé la procédure de consentement de la reine pour vérifier les actes qui ont modifié les lois sur les baux depuis les années 1960. Et ce n'est qu'un domaine de la législation où l'ingérence royale a été découverte. Plus récemment, il a été révélé que la reine avait fait pression sur le gouvernement écossais pour qu'il exempte ses domaines d'une importante législation sur la protection de l'environnement. Cela survient alors qu'une note du gouvernement écossais a révélé qu'il est presque certain que Nicola Sturgeon a secrètement modifié la législation pour obtenir l'approbation de la reine. Connue sous le nom de consentement de la reine, Sa Majesté est informée à l'avance des lois proposées qui pourraient affecter ses pouvoirs publics et ses biens personnels. Le consentement de la reine doit être demandé avant que la législation pertinente puisse être approuvée par le Parlement. En Écosse, la procédure est connue sous le nom de consentement de la couronne, le Guardian rapportant qu'il y avait au moins 67 cas identifiés dans lesquels des projets de loi écossais ont été examinés par la reine. Les représentants du monarque ont refusé de dire combien de fois elle a demandé des modifications à la législation dans le cadre de cette procédure. Buckingham Palace et le gouvernement ont insisté sur le fait que le processus est purement formel et affirment que la reine n'utilise pas la procédure pour modifier la nature des projets de loi. La pétition a poursuivi, celles-ci sont distinctes des mesures qu'elle a prises pour modifier la législation afin d'empêcher la divulgation de sa richesse publique. La reine a également fait pression avec succès pour une exemption des lois sur la discrimination raciale au travail. Cette procédure, dans laquelle la reine et le prince Charles sont invités à donner leur consentement aux lois avant qu'elles ne soient adoptées, est appelée « consentement de la reine ». Le consentement de la reine a été utilisé pour plus de 1000 lois qui ont été adoptées, et jusqu'à présent, nous n'avons fait qu'effleurer la surface pour comprendre comment et quand la famille royale a été impliquée dans le lobbying des gouvernements britanniques pour modifier la législation au profit de leurs propriétés et leurs richesses. Si vous pensez que cette ingérence royale secrète est un outrage à nos valeurs démocratiques, veuillez signer notre pétition et ensemble, nous enverrons un message, cela doit cesser. Aaron, qui a signé la pétition, a écrit « C'est honteux la façon dont la famille royale est autorisée à manipuler le système afin qu'elle puisse continuer à prendre plus d'argent aux citoyens qui travaillent dur de ce pays, tout en étant en mesure de cacher leur singerie sournoise pour qu'elle ne soit pas rendue publique. » Annette, qui a également signé la pétition, a ajouté « Je pense que c'est une blague que la famille royale soit autorisée à faire cela. » Il y a certaines choses dans lesquelles la famille royale ne devrait pas interférer. Je pensais que le Parlement avait enlevé à la famille royale la prérogative de voter des lois à cause de Charles Ier et d'autres monarques qui abusaient de leur pouvoir. Je crois fermement que le pays est dirigé par le peuple pour le peuple.
Je pense que Charles interviendra beaucoup plus qu'il ne le fait maintenant. Il n'a jamais vécu sur le seuil de subsistance ni su ce que c'est que de vouloir ou d'avoir faim.